Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver pour un nouvel essai routier pour la marque Kia. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec un véhicule que vous connaissez peut-être déjà. Il s'agit du Iniro, il est juste ici. Et nous allons faire un essai routier de ce véhicule électrique. Alors le Niro est un véhicule qui est sorti déjà depuis 2016, hein, donc ça fait déjà un certain temps. Il existait effectivement en version hybride rechargeable et hybride. Et en 2018, en décembre 2018 plus précisément, Kia a étonné tout le monde en sortant ce véhicule en tout électrique avec des performances exceptionnelles et l'a immédiatement placé parmi les références du marché dans les véhicules électriques. Au jour d'aujourd'hui, ses prestations sont toujours d'actualité. Il est toujours un des meilleurs véhicules électriques. Kia a fait une petite mise à jour il y a tout juste un an. Et on va faire le tour ensemble un petit peu de ce véhicule qui rencontre un très vif succès. Il est presque aussi célèbre que la star de cinéma qui porte le même nom. D'ailleurs, c'est lui qui en fait la publicité. Donc, le Iniro que nous avons devant nous est un modèle électrique. Il existe différentes versions. Et pour vous aider un petit peu à vous éclairer sur les différentes gammes, aujourd'hui nous avons le modèle le plus courant. C'est une finition en milieu de gamme qui s'appelle Active. Et dans sa motorisation la plus performante, car elle représente la majorité des modèles distribués actuellement par la marque. Donc dans un premier temps, regardons un petit peu ce Iniro. C'est un véhicule électrique. On s'en rend compte immédiatement, hein, on a une calandre pleine, ici une trappe de recharge pour pouvoir utiliser les différentes bornes que vous allez pouvoir rencontrer. Kia a souligné cette finition avec des inserts ici en turquoise, un code couleur que vous allez retrouver aussi à l'intérieur du véhicule, nous le verrons dans quelques instants. Le Iniro est un véhicule relativement classique en termes de format. On est sur un véhicule qui fait 4,37 m de long, donc il n'est pas trop grand. 1,80 m de large pour permettre d'avoir une bonne habitabilité au niveau de la largeur des hauts coudes à l'intérieur. Et puis en termes de capacité, eh bien, vous allez avoir un format d'une berline routière. Simplement, là on est sur un SUV, donc on a une assise en hauteur, une bonne habitabilité à l'arrière pour les petites familles. Et au niveau du coffre, je vous montre immédiatement la partie chargement. Vous pouvez organiser les chargements avec des compartiments ici sur la partie basse du coffre, hein, en double plancher. Et la capacité est de 451 litres, ce qui est très respectable. La banquette se rabat en 2/3, 1/3 pour vous permettre d'avoir un plancher plat si vous avez des choses plus encombrantes. Ici, la largeur est de 1 mètre, donc vous pouvez quand même mettre des objets volumineux à l'intérieur de votre Iniro. Alors comme je vous l'ai dit tout de suite à l'instant, la version que nous avons est une version 204 chevaux, il existe une version 136 chevaux. Alors les deux n'ont pas la même capacité en termes de charge et d'autonomie. Donc c'est aussi pour cela que la version 204 chevaux est la plus diffusée car elle peut vous permettre d'avoir la plus grande autonomie. Alors la version 136 chevaux en fait embarque un moteur en fait qui a une capacité de 39,2 kW. Plus précisément, ça vous permettra d'avoir une autonomie de 289 km. Pour cette version, la 204 chevaux, le système est un peu plus performant puisqu'il a 64 kWh. Et là, effectivement, vous allez pouvoir faire plus de 455 km en termes d'autonomie. Donc là, ça devient vraiment intéressant si vous voulez faire des grands trajets. Eh bien, c'est tout à fait envisageable de le faire avec cette version puisque l'autonomie le permet. Au niveau du type de borne de recharge, qui a tout prévu. Vous avez la possibilité de recharger votre Iniro chez vous sur une prise domestique, puisque le véhicule est livré avec une prise adaptateur. Par contre, le temps de recharge va être de plus de 30 heures si vous voulez recharger complètement votre Iniro. Il sera peut-être plus intéressant de le recharger sur des bornes de recharge dédiées à cet effet. Alors vous avez une double prise, pourquoi? Parce que la partie haute ici va vous permettre de le recharger sur les bornes de recharge les plus courantes, qui vont être en 7 kWh ou en 11 kWh, il existe aussi des 22 kWh, mais qui va vous permettre effectivement de recharger votre Iniro sur près de 50 000 bornes de recharge sur l'ensemble de l'Hexagone. Donc il sera quasiment impossible pour vous de tomber en panne d'électricité, puisque le marché actuellement des bornes de recharge est tellement développé, et continue encore de se développer, et vous allez pouvoir, avec le véhicule, nous le verrons tout à l'heure, pouvoir connaître
sur le parcours que vous empruntez, où se situent les bornes de recharge et leur disponibilité. Donc aucun stress à rouler en Iniro électrique aujourd'hui. Vous pouvez envisager de traverser l'Europe complètement en toute sérénité. La partie basse de la prise de recharge permet de recharger votre Iniro sur des bornes de recharge haute performance qui s'appellent Combo CCS. Et sur ces bornes de recharge, vous allez pouvoir recharger sur du 77 kWh. Alors là, ça devient vraiment intéressant car votre Iniro, même en 204 chevaux, vous allez pouvoir le recharger en 2h30 complètement. Mais vous n'êtes rarement complètement à sec. Ce qui fait qu'il faut retenir une chose très importante, c'est que sur les bornes de recharge rapide, vous allez pouvoir gagner 100 km en seulement 15 minutes. Donc, ça vous permet de faire des pauses relativement courtes et puis pouvoir conserver toujours une bonne capacité de charge de votre véhicule. Si vous souhaitez, pour gagner encore du confort de recharge pour votre Iniro, vous pouvez faire une installation, installer donc une borne chez vous, c'est tout à fait possible, et ça vous coûtera avec l'aide d'État un peu moins de 1000 euros. Ça peut être très rentable et surtout très confortable, car vous pourrez en une nuit, en l'espace de 10 heures, si vous avez une borne de 7 kWh, pouvoir recharger pendant la nuit en 10 heures complètement votre Iniro. Ce qui fait que tous les matins, vous partez avec le plein, ce qui n'est pas le cas d'une voiture classique, donc c'est vraiment très confortable. Alors ce Iniro a un style relativement classique, mais l'avantage de ce style classique, c'est qu'il passe très bien dans le temps. Effectivement, certains designs dans les véhicules électriques sont quand même particuliers, et là l'avantage du Iniro, vous aurez un véhicule qui en fait, est, même s'il est identifiable comme un véhicule électrique, il possède un habitacle tout à fait classique, mais très chic. Kia a énormément soigné la finition du Iniro et du Niro en général. Et là, vous allez retrouver sur les surpiqûres du volant, mais ainsi que sur les assises, ce coloris un petit peu couleur lagon, turquoise, que vous avez aussi sur la partie avant du véhicule, sur la calandre. Donc cette partie un petit peu qui représente le code couleur un petit peu de la version Iniro. Nous allons maintenant nous insérer à l'intérieur du véhicule. Alors lorsqu'on s'installe à bord du Iniro, on trouve sa position de conduite naturellement car il n'est pas trop bas, on est tout de même sur un SUV, donc une position haute. Les sièges sont à réglage électrique, ont de multi-réglages qui vous permettent de trouver votre position de conduite vraiment parfaite. Le volant multifonction regroupe les éléments de conduite de l'ordinateur de bord et de la téléphonie mobile pour vous permettre d'avoir tout sous la main. Donc très agréable. La contreporte, les réglages des vitrages et également de la rétrovision. Jusque-là, c'est relativement classique. Par contre, ce qui est vraiment différent, c'est la console centrale. Elle est très aérée et suspendue pour vous permettre ici de dégager un emplacement ici, une boîte à gants un peu ouverte qui vous permet de loger certaines choses. Ici, sur la partie supérieure, vous pourrez mettre votre téléphone portable qui est en recharge par induction. Donc les rangements ne s'arrêtent pas là, puisque ici vous allez retrouver un rangement qui est quand même de bonne capacité et qui regroupe les éléments de porte-gobelet qui sont amovibles. Et c'est pas terminé, ici au niveau de l'accoudoir vous avez encore un rangement profond, vous allez pouvoir mettre encore d'autres objets et puis également une prise USB qui se trouve aussi à l'intérieur. Donc la partie centrale ici est vraiment sympa puisque vous n'avez pas de boîte de vitesse, le sélecteur que vous avez juste ici vous permet simplement soit de vous mettre en position parking, de vous mettre en marche avant ou en marche arrière tout simplement, et puis ici de choisir les modes de conduite et mettre le frein à main en automatique ou de l'actionner manuellement avec le petit curseur. Donc très simple, ça tombe naturellement sous la main, l'ergonomie est vraiment impeccable. Alors là j'ai mis le contact du véhicule pour vous montrer un petit peu l'environnement média du véhicule. En face de vous, vous avez un grand écran qui vous permet tout de suite immédiatement de voir votre autonomie, d'avoir un visuel sur le véhicule et puis de la quantité de charge du Iniro. Et ici, en dynamique, la disponibilité de la puissance et votre vitesse actuelle. Donc très simple, très lisible.
Au niveau de la planche de bord, on est sur une finition absolument impeccable avec des plastiques moussés, des ajustements ultra précis. Mais maintenant, on est accoutumé de cette finition chez Kia qui est vraiment premium. Le bandeau que vous avez ici en alu un petit peu satiné, très très joli. Et la partie centrale, c'est une bande en laqué noir piano qui intègre une magnifique tablette ici affleurante. Donc c'est vraiment très joli, c'est très qualitatif. Cette très belle tablette vous permet d'avoir aussi des informations qui sont les plus pertinentes pour vous. Des informations que vous allez pouvoir personnaliser. Donc là, par exemple, on voit l'autonomie et la charge du véhicule. Un petit visuel sur la situation géographique où nous nous trouvons. Et puis ici, votre média divertissement avec la musique et puis ce que vous allez choisir de mettre à ce moment-là. Alors l'avantage de cette tablette qui est vraiment très bien faite, elle est en trois parties et vous allez pouvoir modifier les widgets, donc personnaliser votre tablette en allant sur les menus très simplement comme ceci. Si par exemple vous préférez avoir les éléments de la radio et non pas la climatisation, vous allez pouvoir la déplacer et aller la placer là où vous le souhaitez par exemple. Et puis lorsque vous allez par exemple le GPS, si vous voulez le remettre par ici, ben vous le remettez ici, voilà. Et quand vous revenez au menu principal, le positionnement en fait des widgets est celui que vous avez programmé en dernier. Donc très pratique. Autre chose à savoir qui est aussi très important, c'est que lorsque vous allez rouler avec votre Iniro, vous aurez bien sûr les emplacements des différentes bornes qui va vous permettre de programmer vos arrêts pendant votre parcours. Autre chose très importante aussi à savoir, qui a développé une application mobile qui vous permet aussi de pouvoir programmer vos déplacements avec les bornes de recharge qui sont aussi identifiées, et votre Iniro sur votre tablette va en fait tout simplement vous redonner le repérage que vous avez programmé à l'avance si vous faites un grand parcours. Et bien maintenant nous allons procéder à l'essai routier de notre Iniro, et là ça va vraiment être la surprise car un véhicule électrique de 204 chevaux c'est très performant. On se met sur D, on lâche le pied du frein et c'est parti en silence puisqu'on est à bord d'un véhicule entièrement électrique. Malgré qu'à l'extérieur il émet un petit bruit pour que les piétons puissent vous identifier votre passage. Pour la sécurité, c'est indispensable. Mais vous, à l'intérieur, eh bien, vous n'entendez rien. Pas d'à-coups non plus, car il n'y a pas de boîte de vitesse. Ça vous permet, en agglomération, de rouler de manière très décontractée, beaucoup plus reposant comme conduite si vous n'avez jamais conduit de véhicule électrique. C'est une des premières choses qui vous surprendra, c'est le silence de fonctionnement. Les ingénieurs de chez Kia ont extrêmement bien travaillé sur la partie cycle du véhicule. Déjà par la répartition des masses, les batteries sont positionnées légèrement sur l'arrière de l'essieu au niveau du plancher du véhicule. Le moteur, lui, est en position avant, le moteur électrique, ce qui permet une répartition des masses quasiment parfaite et qui permet déjà au Iniro naturellement d'avoir un excellent équilibre. Nous avons parlé il y a quelques instants de la tablette de divertissement. Ils ont fait le choix judicieux de ne pas tout mettre dans cette tablette. Vous allez avoir des réglages rapides qui sont dissociés, comme le système de climatisation, la ventilation, et ici des boutons rapides pour vous permettre d'aller tout de suite sur des éléments en fait de réglage du véhicule et sur les menus principaux. Vous pouvez parfois trouver l'utilisation de ces boutons directs plus facile à utiliser que d'aller chercher les sous-menus sur la tablette. Alors au niveau des qualités routières, la direction est extrêmement précise. Compte tenu qu'il y a moins d'éléments mécaniques sous le capot, ça permet de faire des trains roulants plus sophistiqués et offrir des prestations routières de tout premier plan. Alors vous avez des petites tablettes derrière le volant, des petites palettes, pardon, derrière le volant. Alors ils ne permettent pas de passer de vitesse, puisqu'il n'y a pas de boîte de vitesse, mais ils vous permettent de gagner du frein moteur. Alors vous allez vous en rendre compte, mais sur agglomération, si vous programmez beaucoup de freins moteurs, vous allez, là je n'ai pas freiné, le Iniro s'est quasiment arrêté. Il a freiné tout seul. Vous allez au final très peu utiliser votre pédale de frein.
ce qui va vous donner une conduite complètement différente, beaucoup plus décontractée, beaucoup plus détendue et très sécurisante. Ensuite, si vous allez sur autoroute, vous voulez avoir un véhicule beaucoup plus roulant, eh bien vous allez enlever le frein moteur et ça permettra à votre Iniro d'avancer de manière plus vive, plus coulée. Le frein moteur en plus est couplé à l'avertisseur stop de frein, parce que si vous mettez beaucoup de frein moteur, votre Iniro va tellement ralentir qu'il faut quand même prévenir les véhicules qui sont derrière vous que vous allez avoir un ralentissement qui va être très prononcé. Alors en termes de performance, je vous l'ai dit tout à l'heure, cette version possède 204 chevaux, mais plus impressionnant c'est le couple, il est 395 Nm et disponible immédiatement. Il n'y a pas l'inertie d'un moteur thermique puisque l'électrique apporte cet avantage, c'est que les performances arrivent immédiatement. Actuellement, on va faire un petit départ arrêté. Vous pouvez mettre le mode IPSI par exemple Sport, là c'est le mode que nous avons sélectionné, et nous allons lancer le Iniro et vous montrer en accélération ce que ça donne. C'est vraiment très très impressionnant de pouvoir accélérer avec une telle facilité, et en reprise c'est encore plus surprenant. Sachez que le Iniro fait le 0 à 100 en 7 secondes 6 et de 80 à 120 km/h seulement 4 secondes 5. 4 secondes 5 de 80 à 120, ce sont les performances de véhicules sportifs. Nous sommes de retour à la concession après cet essai dynamique qui s'est très bien déroulé. On a pu constater les prestations routières qui sont assez impressionnantes au niveau du Kia Iniro. Nous allons maintenant le remettre en recharge. Alors c'est très simple, vous avez cette petite carte qui vous sera fournie avec le Iniro lors de son acquisition, qui vous permettra tout simplement de le brancher pour lancer votre charge. Donc il y a un petit moment, le temps que la borne se mette en route. Une fois que votre Iniro sera rechargé, vous pourrez vérifier le niveau de charge de la batterie depuis l'extérieur du véhicule grâce à des LED qui sont positionnés sur le haut de la planche de bord. C'est quand même très pratique. Et vous pourrez savoir où vous en êtes. Là, normalement, avec la borne que nous avons à la concession de 20 kWh, il nous reste 180 km. En moins de 3 heures, le véhicule sera plein. Si cette vidéo vous a plu, cet essai vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo pour vous permettre effectivement aussi de vous abonner. Ça sera vraiment super car vous êtes de plus en plus nombreux à regarder nos vidéos. Actuellement à la concession Kia, on vous pourra vous faire une simulation par rapport à un financement, une location. Actuellement, il y a des formules très intéressantes que vous pouvez bénéficier pour vous permettre de trouver tout de suite une rentabilité très intéressante à l'usage de votre Iniro. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée et à très bientôt pour un prochain essai.